Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de découverte, cette fois-ci sur World of Tanks. C'est un jeu qui a été édité et développé par la société Wargaming. C'est un jeu qui est également sorti sur plusieurs plateformes, PC, Xbox 360, iOS, Android, PS4, Xbox One. C'est un MMO et FPS, hein, quand vous allez affronter d'autres joueurs. Et ici actuellement je suis en mode entraînement, donc je vais juste lancer le jeu. Du coup, on va pouvoir découvrir le jeu ensemble. Donc vous affronterez d'autres joueurs avec, avec vos tanks. Logique, là j'ai un petit tank, hein, comme vous pouvez le voir. Alors me demandez pas ce que c'est comme tank, je ne sais absolument pas. Peut-être que la marque là, au niveau de la minimap, enfin c'est pas vraiment une minimap ça. En bas à gauche, M4A3E2 est peut-être la marque du truc, mais je sais pas, j'ai un doute. Ok. C'est donc un jeu qu'on va découvrir ensemble. Et qui permet également de débloquer durant ce mois d'avril, donc du 9 au 23 de mémoire, on va aller vérifier tout ça de toute manière, donc désolé, vous perdez légèrement, voilà, la capture arrive, pas la capture, l'image arrive, donc voilà, du 9 avril 2020 au 23 avril 2020 également, vous pouvez également débloquer le jeu Master of Orion. Pour ça, il nous faut, entre guillemets, juste remporter une bataille en mode aléatoire. Que ce soit 1 contre 1, 2 contre 2, j'ai pas encore les modes de jeu, hein, et ils incluent les grandes batailles, donc je suppose que là c'est vraiment une équipe comme une autre équipe. Une seule fois par contre, et vous débloquerez donc le jeu Master of Orion et tout son contenu solo. Donc, qu'est-ce Master of Orion? On va aller vérifier tout ça. Si on peut le trouver, allez hop. Si. Là. Alors, Master of Orion est un jeu de stratégie 4X, donc vous contrôlerez un certain nombre de, comment dire, de races. Enfin, vous pouvez contrôler une race et essayer de soit conquérir la galaxie, soit en général pouvoir faire la diplomatie, etc. etc. Donc, voilà. Ce sera donc le premier jeu 4X, désolé, que je ferai sur ma chaîne. Il y en a un deuxième que je compte faire qui est Stellaris, également un jeu 4X, logique. Donc ce sera bien entendu en mode découverte, hein. Donc si vous souhaitez y jouer, hop, vous savez où aller chercher. De toute façon, les liens sont dans la description. En tout cas, pour celle-ci, ce sera donc le lien de World of Tanks qui sera dans la description. Et je placerai également le lien de la campagne que je vous ai montré récemment, enfin, il y a peu de temps. Allez, on va aller découvrir World of Tanks et essayer de voir si on peut faire une victoire. De nouveau, voilà, on est bon. Je vais peut-être juste, parce que là on est en mode... Deux petites secondes, voilà. Le switch entre les écrans, c'est pas toujours évident. Voilà. Ah si. Commande du véhicule, c'est bon. Bon, bien entendu, il est marqué W... etc. Mais je suis déjà en assertif, j'ai rien eu à modifier pour voir que ça fonctionne, hein. Donc voilà. Alors je pourrais passer à travers, j'ai pas envie, donc voilà. Donc il y a d'autres jeux que Wargaming a fait, que ce soit World of Warship, World of Warplane. Je compte les faire également en mode découverte. Tu vas tirer dedans, grand. Ouais. C'est bien parce que je clique, hein. J'ai visé. Il en veut pas. On va juste aller voir dans les paramètres. Ah voilà, il n'y a rien pour tirer. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne pas. On va mettre là. Tirer une salle. Voilà. Passez au suivant. Cible verrouillée.
parce que en attendant je ne vois pas ma bille. Hein. Ah si, elle est là en bas à gauche, ok. Voilà, c'est bon. Ok. Je capte. Victoire. Je capte. Je vais pas être doué à jeu, je le sens. Mais bon, ce n'est pas grave. Ah non, c'était bien le truc, c'était le matricule du véhicule, sinon c'était un Sherman Jumbo à première vue. Je n'y connais que Pika, par contre, en termes de tank. En termes de véhicule tout court. Véhicule. Cliquez sur continuer pour passer à la leçon suivante. Chef, oui chef. Pour ça, j'aurais bien à la voir. Là, j'ai une mise à jour du garage. Merci. Et... Le terme combattre est en train de surbriller, donc hop, on y va. Tire. Oh, rotation de la tourelle, logique. Sûrement moi qui ai touché au con. Moi j'ai été justement vérifié pour l'AZERTY. Trouvez et détruisez tous les véhicules ennemis. C'est parti. De la souris pour passer en mode tireur de précision. En plein dans le vide. Ah bon? Ah là oui, je veux bien, ouais. C'est pas dégueu. Moi, il y a des choses qui sont détruisables, c'est déjà pas mal. Faites rouler la molette. Un marqueur vert indique que vous visez un point faible du véhicule. Ils sont seulement touchés. Marqueur vert. On n'a pas pénétré le blindage. On n'a pas pénétré le blindage. Ah là, ok. On a crevé, ouais! On l'a même pas éraflé! On l'a pas pénétré le blindage! Faites rouler la molette de la souris pour quitter le mode tireur de précision. Non, tu crois? Là c'est en mode facile là. Hein. Pour devoir faire bataille random, je pense bien que ce sera contre d'autres joueurs, donc ce sera vraiment pas à vérifier. Approchez un véhicule ennemi par le flanc et détruisez-le. Essayez d'éviter de vous faire toucher. Euh.
Approchez un véhicule ennemi par le flanc et détruisez-le. Essayez d'éviter de vous faire toucher. C'est pas joueur. Hein. Oula! Lui il a fait mal par contre. Porte. Ah c'est bien. Ouais, il y avait. On les tient les gars! Ils sont touchés! Voilà. Il est foutu! Passez au suivant! Je vais est-ce qu'on est 4? Ah voilà, victoire! On les éliminait tous, mais de l'autre côté c'est normal, hein, c'est l'entraînement. Leçon 1. Amélioration d'un véhicule. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais le jeu est complètement gratuit. Même chose pour World of Warship, World of War Plane, ce qui n'est pas le cas de Master of Orion par exemple. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut le débloquer. Entre guillemets, ce mois-ci gratuitement, c'est parce que celui-là n'est pas gratuit. L'expérience de bataille est utilisée pour rechercher des véhicules et des éléments. Les crédits permettent d'acheter des véhicules et de les améliorer. Ok. Voyons voir ce qu'on peut. L'élément a bien été recherché. Vous pouvez maintenant l'acheter et l'installer. L'élément a été automatiquement acheté et installé. Ok. Parce qu'on n'a pas assez d'argent, c'est tout. Continuons. Marqueur rouge dégâts bloqué, marqueur vert, grande chance de pénétrer. C'est pas assuré. Ok, ça va. Ah mais ça n'affiche pas de dégâts, mais par exemple tu peux très bien l'empêcher de continuer à bouger. Ok, ça va. Bon savoir ça. Repérer les véhicules ennemis. Allons-y. Été repéré. Préparez-vous à combattre. On va l'avoir. Continuez à tirer. Je les tire. On les tient, les gars. Il est cuit. Passez au suivant. On va l'avoir. Continuez à tirer. Ah, lui, il a moins de fois faible. D'abord de lui. But. Merci. On va l'avoir, continue à tirer. Là. Ah, j'avais pas fait attention qu'on avait en haut de l'écran le nombre de le char adverse et le nombre bon. Donc il nous en reste 6 à éliminer. Ils sont trop nombreux. Repliez-vous. On se replie, hein. Approchez l'ennemi par le flanc. On va où, monsieur PZ38HIR? Comment se faire repérer, hein, mais bon, c'est pas grave. Heureusement, ce n'est pas des joueurs. Les
buissons vous dissimuleront aux yeux des ennemis tant que vous ne tirerez pas. Ne tirez pas, ou l'ennemi va vous repérer. D'une base ennemie est une des manières de remporter la victoire. Ok. Toujours bon à savoir. Même si on s'en doutait un peu. Capture de la base en cours. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça peut se passer là. Ouch. Eh? On a visé. Lorsque vous subissez des dégâts, la progression de votre capture est réinitialisée. Des dégâts, la progression de votre capture est réinitialisée. On les tient, les gars. Je vais t'avoir, mon gros. Bien avant que toi tu m'ailles, t'inquiète pas. Lorsque vous subissez des dégâts, la progression de votre capture est réinitialisée. Ouais, ouais, j'avais capté, j'avais capté. Je sais pas si on l'a capturé. Ah non, elle est en cours. 39 secondes. Deux véhicules capturent la base plus rapidement. Ok. Bah bon, on s'en doutait un peu, hein. Rien de nouveau dans tout ça. Elle est là. Parce qu'il est censé y avoir des ennemis par là, je les vois même pas. Ah, eux ils sont cachés, ça c'est sûr. Il est censé en avoir un par ici. Et au du rocher ou quoi, je suis boss. Ah bon. On va capturer la base. Victoire. Voilà. Tranquille. Par contre, ça réagit pas direct, hein, il faut attendre. Réception d'un nouveau véhicule. Réception d'un nouveau véhicule. Les charges sont à poil long quand même. Pas de mal de changer de véhicule quand même. T'as changé de véhicule ? Parce que oui, hein, bah... ouais, aperçu M2 médium temps. Ouais, je suppose qu'on l'a changé, hein, quoique peut-être pas, recherché. Le véhicule a été recherché. Vous pouvez maintenant l'acheter. Ok. Parce que ça, normalement, c'est pas le cas. Félicitations. Votre nouveau véhicule est déjà dans le garage. Ok, merci. Leçon 3. L'équipage. De voir la différence entre les deux. Ah ouais, quand même. Ouais, on voit quand même la différence qu'en fait, sinon c'est le même type de véhicule en soi. Mais... Les compétences et aptitudes de l'équipage améliorent les caractéristiques de votre véhicule. Ok. Combattre. Nick. Le mode de combattre. On va combattre!
mission, capturez la base ennemie ou détruisez tous les véhicules adverses. Ok. Comme d'hab, il y a plus d'ennemis en face, hein. Terre à découvert, je sais. Absolument pas intelligent, je suis au courant. Une chenille est détruite. Utilisez un kit de réparation. Beaucoup trop lent pour moi. Ah, je peux pas aller. Comment faire tomber les arbres? Ils sont touchés. Ils sont seulement touchés. Je les tire. Triple coup de tic, waouh. Hello, le con. Oula, j'ai pu l'avoir. Ils sont touchés. En plein dans le mine. Ouais, mais pourquoi il a pas perdu ses points de vie? Parce que j'ai touché autre chose, je suppose. On n'a pas pénétré le blindage. Au moins il est éliminé par quelqu'un d'autre. Ok. Il reste quand même 5 ennemis adverses. Nous, on en a encore 5. Je sais. Clairement nous, hein, faut pas. Voilà quoi. Le trouble de véhicule, c'est pas vraiment mon fort. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est mon fort? Ça c'est une bonne question. Oui, je touche. Derrière moi quand même s'il n'y a pas autre chose qui est apparu. Non mais là vous.
Je vais voir si je pouvais éliminer les trucs. Ah, il est encore là-bas. Bon, en tout cas, et on aura découvert. Si je pouvais tirer sur la. Le tireur est blessé. La précision est réduite. Utilisez une trousse de premier secours. Celui-là n'a pas percé. Oula. Ah, là, il y en a un, Ouais. Là, je peux le dire. Continue à tirer. Ils sont touchés. On les tient, les gars. Voilà. Là, on les tient. Victoire. Et en plus, je suis dans la zone de capture, je le savais même pas. Je vous le dis, ça va être dur d'avoir Master of Orient. Enfin, peut-être pas, on va vérifier. Leçon 4. Équipement et consommable. Parce que j'ai compris, il y a quand même pas mal de. Les consommables Char, permettent en fait, dans le jeu, ça fait un moment qu'il est quand même. Urgences en bataille. Ok. Donc, quand même, un moment qu'il est quand même déjà actif. L'équipement améliore certaines caractéristiques d'un véhicule. Ok, boîte à outils. Ce que j'ai. On va faire avec ça. Hein. Garage. Appliquez tout ce que vous avez appris et remportez une bataille aléatoire. Ok. Baptême du feu. Ah. Mode de jeu. Bataille aléatoire. Vérifions si on peut débloquer Master of Orion. Bataille aléatoire. Espérons qu'il y a quand même d'autres joueurs avec moi parce que sinon. Ça va être la mort. Pour le débloquer, il faut gagner. Si vous perdez, vous ne le débloquez pas. Bah, il faudra sûrement en faire quelques-unes. Je vais peut-être en faire. Si j'en gagne du premier coup, tant mieux. Ben bon, j'ai un doute quand même. Hein. Je crois que vous avez vu le niveau. Donc je vous en ferai sûrement quelques-unes et je continuerai peut-être en vidéo. Capturez la base ennemie ou détruisez tous les véhicules adverses. Je crois qu'on peut dire qu'il y a d'autres joueurs. Là, je vois Asterer. Ouais. Il y a des PNJ, bien entendu, mais je vois que. Ah, quoique, c'est peut-être que des joueurs en fait. Ou pas. Aucune idée en fait. Ah, si, c'est que des joueurs, ouais.
On voit les noms. J'avais pas vu que j'étais à gauche en fait. J'étais en train de regarder sur la liste à droite et ça, je trouvais pas moi le pseudo de Woodless. Voilà. Pas trop loin après. Ouais, bon, on va arriver dans la mêlée, c'est plus simple. Quoi, mais voilà. A priori, on a déjà perdu quelqu'un. Non. Plus qu'on gagne en fait. Hein. On va le voir, continue à tirer. Ok. On les a eus. Tu l'avais terminé. Cache la vue. Véhicule ennemi hors de combat. Ah oui, il est là. Bon, pour l'instant, bah, c'est à peu près à égalité. Là, c'est un cimetière. J'étais en mode dégueulasse. Hein. Ils sont touchés. Je les tire. Ils sont seulement touchés. Je me demande si c'est vraiment des joueurs en fait à force. Alors, soit je suis mieux en termes de que je le pensais.
possible, hein, mais j'ai un doute quand même. Et nous, on est encore 5, 4. Ce qui me semblait. Gassons-nous, c'est fini. Ok. Défaite. Quoi? Là, c'était vraiment pas des joueurs en fait? D'un côté, ça expliquerait pourquoi c'était aussi simple jusqu'à ce que je meure. Mais ça, j'ai l'impression que c'était des joueurs. Bizarre. Ouais, attends 2 secondes avant de combattre mon grand quand même. Des choses qu'on peut découvrir. C'est pas le fric que j'ai en fait. Où est-ce que je vois l'argent que j'ai? Ça pourrait être bien aussi de savoir. Ah, peut-être là. 3650? Ah non, je peux pas encore le chercher. Okay. Ah non, il m'en reste 150, c'est ça. En attendant, je l'ai quand même. Oui, je l'ai. Donc ça fait quoi? Meilleur dégât, je suppose. Ouais. 14 de coups par minute est plus importante. Mais est-ce que c'est vraiment celle-là que j'utilise? Logique. Ça, c'est le bladar. On va voir, hein, combattre. Bataille aléatoire, bien entendu. On veut débloquer le Master of Orion. Donc ce sera le dernier que je ferai en visuel. On va vérifier si on arrive à gagner cette fois-ci. Sinon, bah, à partir du moment où j'aurai ma sœur au Forion, vous saurez que j'ai vraiment réussi à un moment donné à faire une victoire. Tout simplement. On va essayer. Que ce soit ici ou hors vidéo, ce sera l'objectif. Donc je rappelle, c'est quand même entre le 9 avril, qui est déjà passé au moment où je tourne la vidéo, on est le 11, jusqu'au 23 avril. Mission. Capturez la base ennemie ou détruisez tous les véhicules adverses. Chef, oui, chef. Que le spectacle commence. On va leur ville, hein. Dégage. Je ne sais pas si ce sont des joueurs. En tout cas, les pseudos. Enfin, ce sont des noms qui ressemblent à des pseudos parfois, pas toujours, hein, mais. Non. Je pense que ce soit des. De simples PNJ. De toute façon, vu la facilité que j'ai eu en éliminer autant, quasiment pas bougeant, et c'est quasiment certain. Aïe, 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 aïe.
ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Si je veux utiliser les consommables, je vais récupérer de la vie. Mais ça fonctionne pas comme ça. Ah, par contre, ça ne détruit pas les baraques. J'ai perdu 3 personnes, eux 2. Et voilà le troisième. Ah non, encore. Voilà le troisième chez eux aussi. Mais on a perdu un quatrième entre temps. Ah chier. C'est une véritable hécatombe. C'est celui qui nous a éliminé tout à l'heure, celui-là. En plein dans le mille. Ils sont touchés. Il est en train d'affronter un autre joueur en plus. Enfin, un autre char. Voilà, on l'a éliminé. On s'est forgé. Reste 5 chars, ou un peu plus. Une de nos chenilles est touchée. On va la voir, continue à tirer. Merde. Sortons de là, le véhicule. Ouais, c'est vraiment que des PNJ, parce que sinon ce serait pas comme ça. Défait. Bon, je continuerai donc hors vidéo. J'espère quand même réussir à voir Master of Orion. On le verra de toute manière, si... la découverte de Mass of Orion vient à sortir sur la chaîne. Bien entendu, n'hésitez pas à abonnement, commentaire, pouce bleu et un like. Et pouce bleu, qu'est-ce que je raconte? Et un partage de la vidéo. N'hésitez également pas à activer la cloche de notification pour savoir quand ma prochaine vidéo sortira. Oui, je suis clairement un noob dans le contrôle de véhicule. Hein. Ça, je crois que ça s'est remarqué et ça se remarquera sûrement également avec World of Warship et World of Warplane. Allez, d'ici la prochaine fois, prenez soin de vous. Bye! Finalement, on se laisse pas. J'ai fini le tutoriel, donc j'ai réussi à faire la bataille. Malheureusement, à première vue, c'est contre des joueurs qu'il faut le faire. On va essayer une fois avec des joueurs, parce que là, on est vraiment avec des joueurs. Ce sera moins facile. Par contre, le son va revenir au max ou quoi? On va juste. Ah, appliqué, on y va. Ok. Déjà deux à droite éliminés. Je ne sais pas si on passera là. J'ai un grand doute, hein, quand même. On va pas. On va pas.
pas ce genre-là. On va voir, on va peut-être fuir l'adversaire. On retourne en défense à première vue. On a 3 éliminés de notre côté. 4 du leur. Allez, avance mon groupe, avance. On va l'avoir ici. Il peut pas grimper, sérieux? On va dire c'est un char, pas un tout terrain quand même. On n'a pas participé encore au combat. Ah oui, il y avait un rocher, c'est normal. Je me suis fait avoir aussi. Il en reste 2 et chez nous il en reste 4. Mais au moins j'en ai eu un. Au moins. Allez, plus qu'un. Quasiment mort. Détruit, parfait. Merci à mes alliés, parce que sinon c'était pas couru d'avance. Mission accomplie. Sélectionnez un véhicule de rang 2 à X et n'ayant pas encore remporté une bataille aujourd'hui, vous pouvez gagner une bataille aléatoire. Ok. Indicateur d'expérience, voilà, voilà. Ah, vous avez déroulé l'accès à Master Orion. Donc c'était bien vraiment contre des joueurs. C'est-à-dire qu'il faut finir le tutoriel, puis faire gagner une bataille aléatoire. Parfait. Je suppose que ça va m'ouvrir quelque chose. Ok, ça, donc je vais faire...
hors vidéo, hein, c'est juste entre guillemets gagner le jeu, ok. En attendant, donc on gagne le jeu Master of Orion, le DLC Revanche Antares et la race Alien Terran Kanate. Ainsi que le mode Retro Fleet de l'édition Collector gratuitement. Voilà. Donc j'espère en tout cas que l'épisode complet cette fois-ci vous a plu. On se retrouve bien entendu la prochaine fois pour un autre vidéo découverte ou autre chose. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce bleu, à partager la vidéo et à activer la cloche de notification. Et bien entendu, le plus important parmi tout ça, c'est de prendre soin de vous. À la prochaine. Bye. Vraiment cette fois-ci. Bye.